broads in the London. She's just the lean, the family. Credit cards and the scammers. Getting the licks in the van. Hey, c'est toi, c'est Wilter, j'espère vraiment que vous allez tous et toutes très très bien. Et aujourd'hui, je retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler du prochain Call of Duty qui pourrait bien être Modern Warfare 4. Voilà, on va un petit peu en parler dans cette vidéo, un petit peu en débattre. Et voilà, de base, je comptais faire cette vidéo en étant sur Infinity Warfare, comme c'est le dernier Call of de Infinity War. Et bon, et comme Modern Warfare 4, le prochain Call of Duty sera avoir Infinity War, vous avez compris. Mais comme vous connaissez Infinity Warfare et que c'est actuellement, je pense, le pire Call of Duty qui n'a jamais été créé, et voilà, j'avais pas trop envie d'y aller, comme je sais que j'allais rager. Du coup, on est sur Modern Warfare Master G, comme il était avec Infinity Warfare, tout ça. Bref, on va lancer une petite guerre terrestre, on va un petit peu parler. Alors, il y a des rumeurs comme quoi le prochain Call of Duty risque d'être Modern Warfare 4. Voilà, c'est pas encore officialisé par Infinity War ou Activision, mais il y a beaucoup de rumeurs par rapport à ça. Au départ, la communauté était partie sur un Infinite Warfare 2, mais bon, je sais pas pourquoi les rumeurs se sont arrêtées, tout ça, et les rumeurs se sont basées sur un Modern Warfare 4. Ouais, il y a eu quelques petits, je vais pas dire qu'il y a eu des leaks, ça n'a pas été officialisé, mais oui, justement, il y a eu quelques petits leaks, tout ça. Il y a eu aussi, soi-disant, le menu qui a été leak, tout ça. Je vous mettrai une photo à l'écran, vous inquiétez pas. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, on sait pas, mais moi, je pensais vraiment que ça sera Modern Warfare 4, car Call of Duty, comme on sait, c'est dans le temps, ils sont dans la descente, ça marche plus vraiment, la licence Call of Duty, comme avant. Du coup, je pense qu'ils vont faire justement un nouveau Call of Duty Modern Warfare, vu que les Modern Warfare avaient bien marché à l'époque, et comme ça, moi, ça va peut-être un peu remonter la pente, comme ils ont fait avec Black Ops 4, là. Bon, vous attendez pas un niveau de folie, les gars, je vous jure, sur Modern Warfare on m'a surrigé, j'ai pas forcément le niveau, c'est pour ça que je viens de faire une double. Et ouais, j'ai pas forcément un très très bon niveau sur Modern Warfare on m'a surrigé, j'ai fait quelques games avant, histoire d'éviter d'arriver à être là en mode ah yes, je suis en train de me faire détruire, histoire de vous proposer en même temps un bon petit gameplay, et en même temps la clé mort. Putain, j'ai fait un cri mais tellement viril. Non, en vrai, j'ai juste eu peur de la clé mort. Du coup, vous, est-ce que vous espérez que ce soit justement un... Putain, par contre, je suis un sanguinaire. Attendez, je vais dire, ouais, venez, on va tenter un petit truc, mais finalement, non, comme je viens de mourir. Est-ce que vous êtes, on va dire, assez content que il y ait des rumeurs sur Modern Warfare 4? Enfin, est-ce que vous espérez, du moins, un Modern Warfare 4, ou vous préférez avoir un nouveau type de Call of Duty comme ils ont fait avec Infinite Warfare? Je sais pas pourquoi je dis Infinity avec Infinite Warfare ou quoi. Moi, honnêtement, j'espère vraiment qu'il y aura un Modern Warfare 4, parce que les Modern Warfare, ça fait 8 ans qu'ils en ont pas sorti. Le dernier est sorti en 2011. Et comme c'était quand même une assez bonne licence, même si c'est pas ma préférée, enfin une assez bonne licence, c'était une assez bonne série, les Modern Warfare. C'est une série du moins qui a pas mal plu et que moi aussi j'avais bien aimé, parce qu'à un moment, je me souviens, j'ai joué énormément en Modern Warfare. Bon, ça, je vous parle de ça remonte à il y a 6 ans. Hein. Après, j'espère juste qu'ils vont pas nous refaire un Call of Duty comme ils ont fait entre guillemets aujourd'hui. Les Call of Duty qu'ils font ces derniers temps, genre World War 2, Black Ops 4 et tout, ne sont pas mauvais, justement, ils sont très bons, mais il n'y a pas, enfin, ils se sont trop pris la tête rien qu'avec les spécialistes de Black Ops 4. Je trouve que les spécialistes, ça devrait même pas exister. C'est totalement une connerie qu'ils ont fait avec Black Ops 3, et je comprends pas pourquoi ils l'ont remis sur Black Ops 4, d'où la raison pour laquelle j'en fais un mode de jeu sans spécialiste. Mais bon, ils ont quand même fait une erreur sur ce point. Mais toi, depuis tout à l'heure, tu campes, tu joues comme une grosse pute là, Spreezy. En plus, t'as un pseudo incompréhensible. Oh, sérieux, c'est vrai que sur ce jeu, par contre, il y a énormément de campeurs. Mais je crois que c'est l'un des jeux où il y a le plus de campeurs, je trouve. Parce que le nombre, rien que dans le mode de jeu sniper uniquement, bon, sniper uniquement, je vais pas dire que c'est normal. Mais il fallait s'y attendre un minimum, comme c'est que sniper et que tu te dis, ah ouais, il y a que des snipers, tout ça. Hop là, je me mets là. Oh là là, j'ai visé, je vise. Ah putain, il y avait un ennemi. Bon, de moi, c'est horrible, rien que tout à l'heure, vous avez pu peut-être un petit peu voir, hein, que vraiment, les campeurs, c'est de plus en plus horrible. Moi, je me suis dit, avec le temps, il va en avoir de moins en moins, comme la communauté, on va dire, va mûrir, mais visiblement, non, vraiment, il y en a toujours autant, voire plus, limite. D'ailleurs, je sais pas, je suis pas sûr, je vais pas vous confirmer ça, mais je crois qu'il n'y aura pas de Battle Royale sur ce Modern Warfare 4, si jamais il sort, bien évidemment. Enfin, il y en a, je crois que sur un article, j'en avais parlé, comme je suis allé un peu me renseigner, histoire de pas arriver dans cette vidéo, et être là en mode, ok, donc c'est peut-être, je sais pas encore, je suis pas sûr de Modern Warfare 4, tout ça. Il semblerait qu'il n'y ait pas de Battle Royale pour ce MW4. Ce que je trouve d'un côté dommage, déjà ça me fait bizarre de dire MW4. Enfin, même si c'est pas encore officialisé, j'espère vraiment que dans le prochain il y aura un Battle Royale. Comme le Battle Royale, maintenant c'est devenu un type de jeu qui est vraiment pas mauvais. Mais certains vont parler gna gna gna, ils ont copié gna gna gna, mais aujourd'hui tous les Battle Royale, aucun jeu Battle Royale qui sort aujourd'hui. A été inventé de toutes pièces. Oui, les Battle Royale, aujourd'hui, tout le monde se les copie entre eux. Je sais pas comment vous expliquer, mais je pense que vous m'avez compris. Que je trouve que Black Ops, en fait, il est pas mauvais. Bon, non plus, c'est pas mon Battle Royale préféré, mais il est pas mauvais, mais j'aime pas y jouer en solo. Enfin, même pendant la bêta, j'y jouais pas du tout, j'y jouais jamais en solo. Alors qu'il y avait le mode solo, il me semble, mais même là, il y a le mode solo. Mais j'arrive vraiment pas à jouer en solo, je sais pas pourquoi. Les Battle Royale, à la limite, avant Fortnite, j'y arrivais un peu, mais... Pff,
J'attends qu'il y ait le battle, enfin qu'il y ait le solo sur Apex, c'est là vraiment fou. Putain, on est quand même en combien, en 9. On est quand même, je crois, en 9v9. Et pourtant, on arrive quand même en 5 minutes à avoir fait que 37 kills. Hein. Dont moi qui en ai fait 18, j'ai fait la moitié des kills, mais. Putain, j'en ai marre de tomber avec des randoms comme ça. Je crois que j'en avais parlé dans ma dernière vidéo ou non, je sais plus. Mais genre, je déteste jouer avec des gens que je ne connais pas. Enfin, des gens comme ça que je tombe aléatoire. Je sais pas pourquoi, rien que sur Apex Legends, quand je suis obligé de jouer en solo ou même parfois quand je suis en duo avec un pote, on y joue pas mal. Un petit dédicace à toi, Warank. Ben, vraiment, c'est horrible parce qu'il y en a, ils sont aussi têtus que des jeunes. Tu te dis, mais vraiment, pourquoi? C'est ça, camp, petite merde que t'es. Mais j'ai jamais compris le principe de camper. En fait, d'où déjà tu prends du plaisir dans un jeu quand tu campes? Alors que vraiment, pour moi, camper, c'est. Vraiment, tu t'emmerdes. Hein. Oui, j'ai déjà essayé de camper, mais c'est nul en fait. À part si t'es en série, par contre, putain, il y a des feeders en face, c'est chier. Bon, on va quitter ce game parce que c'est vraiment jouable. On va en faire une autre comme ça, ouais, parce que là, sinon la vidéo, j'allais mettre 30 minutes pour tourner. Parce que là, je suis déjà à 10 minutes, hein. Mais bon, vous savez quoi, j'en ai marre de tomber dans des games où vraiment on est contre des ennemis pareils qui jouent leur vie, qui sont là. Non, il faut pas que je meure. Hein. Alors que vraiment, il y a aucun plaisir à jouer, les gars. Réfléchissez, prenez du plaisir sur Call of Duty tant qu'il y en a encore. Bon, voilà, dans une nouvelle game sur Vacante, ouais. Ouais, c'est le map, je la connais. Putain, c'était le map vraiment où il y avait beaucoup de feeders à l'époque sur Modern. Oh. Mais à peine, il y a déjà un nouveau campeur. C'est pas possible, les gars. Regarde, allez, toi, tu vas manger ma petite grenade. Allez, voilà, casse-toi de là. Oh, sérieux, à peine j'arrive, hop là, déjà un campeur. Ça fait. Pff, les gars, sérieux. Je comprends pourquoi la licence Call of Duty commence à s'éteindre, on va dire. C'est surtout à cause de la communauté. Les Call of Duty sont bons, mais c'est la communauté qui est horrible. Par contre là j'ai enchaîné violent. Là vraiment, en tout cas j'espère que ceux de la communauté de Modern Warfare Masterisé n'iront pas sur Modern Warfare 4 parce que sinon ça va être un jeu horrible. Modern Warfare 4 on dirait qu'il est officialisé mais pas vraiment, donc ne commencez pas à dire ouais t'as dit qu'il allait avoir Modern Warfare 4, c'est sûr. Non, c'est pas encore sûr, mais moi je pense vraiment, je suis quasi sûr qu'il y aura Modern Warfare 4. Allez, petite frappe aérienne dans le spawn, ça fait pas de mal les gars. Attendez, on va voir comme une kill. Allez, je prédis 3 kills. 3 kills, je prédis. Allez. 1, 2, 3. Voilà, pas un de plus, pas un de moins. 3 kills. Sur un monstre, je suis pas un monstre, les gars. Sur un monstre, je suis pas un monstre. D'ailleurs, je me demande, enfin, j'ai pas vu de sujet, enfin, d'article ou quoi par rapport au mode zombie du prochain Call of Duty. Enfin, s'il y en aura un ou pas, il y a des remarques comme quoi il y en aura un. Tout ça, mais je pense pas qu'avec un Modern Warfare 4, il y aura du zombie. Je pense pas, même si d'un côté, j'aimerais bien, parce que zombie, c'est un truc qui m'a bercé depuis que j'ai commencé Call of Duty, tout le temps, enfin, franchement, zombie, c'est un de mes trucs préférés, on va pas se mentir, mais avec un Modern Warfare, je suis pas sûr que ça coderait forcément, mais bon, ouais, qui ne tente rien à rien, comme on dit, hein. Et qui sait, autant, ça pourrait vraiment donner un bon truc, hein. Non, je me demande aussi, vu que je me suis pas vraiment renseigné sur le sujet, bon, ça a aucun rapport avec le prochain Call of Duty, mais oui, Infinite Warfare, il est sorti avec Modern Warfare Masterisé, tout ça, du coup, ça fait deux Call of Duty. Mais est-ce qu'il y avait genre de l'e-sport ou des trucs comme ça sur Modern Warfare Masterisé? Ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'il y avait genre des trucs e-sport ou c'était seulement sur Infinite Warfare, tout ça? Elle est bien cette petite MP5, j'ai toujours kiffé les MP5 des Call of Duty. Que ce soit même sur BO2, sur même BO1, enfin c'était pas vraiment la MP5, je sais plus. Si, je crois que c'était la MP5, enfin je sais plus, mais les petites SMG comme ça, j'ai toujours kiffé. Donc vous, est-ce que vous espérez peut-être un Modern Warfare 4 ou pas, ou même un Infinite Warfare 2, même si ça m'étonnerait fortement, comme... voilà, c'est pas, on va dire, c'est pas non plus le meilleur Call of Duty, Infinite Warfare 2, c'est, voilà, enfin, Infinite Warfare 2, ça serait peut-être pas le meilleur Call of Duty. Bon, ben, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, si elle vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la commenter, de la partager, et surtout de l'abonner, je n'ai pas encore fait. On aura quand même fini en 27-11, ce qui est pas un score dégueu, voilà, on se sera amusé dans cette belle petite partie. En tout cas, voilà, on aura un peu parlé du sujet, c'était pas une vidéo forcément information, mais c'était plus une vidéo débat où je donnais mon avis, tout ça. En tout cas, j'espère vraiment voir un Modern Warfare 4, pas un Modern Warfare 4 comme un Call of Duty comme aujourd'hui, mais vraiment comme un Call of Duty qu'il y avait à l'époque, même si ça m'étonnerait forcément, mais bon, on sait pas, qui sait, on n'a qu'à attendre les infos et tout ça. Mais en tout cas, voilà, moi je le laisse, c'était Walter, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, à la prochaine, allez, bye.